Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser avec vous des cookies. Alors vous allez voir, c'est très simple à réaliser et très rapide. En général, je fais une très grande quantité de pâte, je façonne mes billes, j'en cuis une partie et puis je garde une autre partie au congélateur. Comme ça, j'ai toujours des biscuits maison sous la main. J'espère que la recette vous plaira. Je vous laisse tous les ingrédients en barre d'infos et je vous dis à bientôt. Commencez par couper le chocolat en gros morceaux. Alors j'ai utilisé un reste de tablette de chocolat aux noisettes. Vous pouvez utiliser le chocolat que vous souhaitez. Je commence par mélanger à l'aide d'un fouet le beurre mou avec le sucre. J'ajoute ensuite la vanille en poudre, je mélange encore un peu, puis le sel. Mélangez encore. Ajoutez l'œuf, mélangez. Puis la levure chimique. Alors, je mélange grossièrement. J'ajoute la farine et je termine de mélanger avec les mains. J'ajoute enfin le chocolat et je mélange une dernière fois. Je façonne des billes, alors à peu près toutes de même taille, et je les dépose sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson. Je les aplatis légèrement et puis j'enfourne pendant environ 15 minutes à 180 degrés. Quand ils sont cuits, vous pouvez les laisser tels quels ou alors vous pouvez faire comme je fais, rajouter des pépites de chocolat par-dessus, ça leur donne une allure un peu plus sympa.